Bonjour les Minecraftiens, ici c'est le B35 pour, avec la voix cassée parce que je viens d'inspirer comme un gros taré pour un nouvel épisode de Minecraft est offert. On continue de survivre avec Mr. Phalanx, est un joueur qui je sais pas ce qu'il fout exactement. Il a dû encore partir. Non, non, il est juste là. Ah bon? Ah oui, ouais. Tiens. Regarde. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, tu descends. Eh, hey, t'es un joueur. C'est bon, Eh! Mais, et qu'est-ce qu'il a? J'ai cru entendre un cri, il doit y avoir. Un cri. Eh, hey. C'est pas ça fait mal. Il est en jeu. Ah tiens, je repars! Je repars! Il est plus muet! Il est plus muet! Il est plus muet! Mais c'est merveilleux! Mais où est le jukebox? Aïe! Mettez-moi un CD! Faisons une fête! Bon, on a vu plus festif comme CD, mais bon. Bah écoute, t'avais qu'à en acheter un autre. Voilà. Ouais. Bon, le jour où je devrais monter nos aventures, je penserai rajouter une musique sympa. Ouais, non, je déconne. Non, laissez-le vite. You happy. Mais bon, c'est pas tout, mais moi, il faut que j'aille bosser. Aïe. Hey, le feu dans la maison en bois. What the... Et franchement, t'es un jeu, je te dis bien, mais bon, des fois, t'as vraiment des idées. Bon. Au revoir. Fais bien gaffe, hein. See you soon. Goodbye, je veux plus jamais te voir. Surtout quand t'as un briquet en main. Il est en train de tout faire. Même si théoriquement, en fait, concrètement, y a rien qui brûle et par moi, bah non, ça va. What? Mais toute la plaine est en train de brûler maintenant. Aïe. Heureusement qu'il n'y a pas trop d'arbres. Au moins, il y aura plus trop d'herbes après. Mais il y aura plus trop ouais, d'arbres. Ouais, bon, il y a plus trop d'arbres. Wow. Oh, il y a de l'ambiance, on met le feu. Mets le fire. Non, ça c'est pas le moment de mourir enflammé. C'est vraiment. Ah là là, ça redonne envie de survivre joyeusement et j'ai décidé de construire des trucs. Ah ouais, c'est sympa, et tout aussi, c'est génial. Qui a envie de pain pour fêter ça? Moi, prenez je crève la dalle. Non, mon pain, je veux du pain. D'ailleurs, j'ai 39 et je me fais une table de craft. Oh, un portail. Non, je sais pas trop ce que je fais en fait, j'aimerais bien faire une barrière... faire un grand château fort un peu à la médiéval, mais bon, c'est un petit peu ambitieux quand même pour commencer. C'est pas avec des barrières, en fait. Ça t'aime très. C'est vous qui avez trouvé ça? What? Et où? C'est vous qui avez trouvé ça? Qu'est-ce que... félicitations, quoi? Saint-Jean. What? Passe de l'autre côté. Voilà, sérieux, il y avait un pied. Ah. C'est caché comme ça. N'importe quoi. Bon. Aïe. Bon, bah pour fêter le retour de la voix de Tinjoff. Ouais. On va aller faire une expédition dans le Never. Ouais, sympa, on va l'emmener en enfer en plus. Sympa. Bon. Tiens, il y a un mourant. What the fuck. Bon, je balise avec de la cobble. Oh, ouais, c'est sympa ce truc. Ouais, c'est sympa. En gros, c'est l'enfer. Mais putain. Mais tuez-le, cette espèce de danger public. T'as un job. Faut que tu te calmes avec ton briquet, toi. Et je vais te confisquer ton briquet, hein, genre. Hein. Oh là, il se fait très très mal. Faut le transporter à la maison. Oui, bah moi aussi, je suis un peu en train de brûler. Allez, t'as un job, on te ramène ici. Oui, c'est bon, il est vivant, et tant que ça vit, c'est que ça vit. Mais lui donner ce briquet, c'était vraiment une idée pourrie. Faut que tu lâches ce briquet, hein, Geoff, ok? Et j'y vois plus rien, moi. On est tous plus ou moins schizophrènes sur cette île déserte. Enfin, si on peut plus une île déserte, en l'occurrence, là où je suis. Oh, de l'eau! J'ai tellement soif.
Moi j'ai pas emmené d'eau d'ailleurs, c'est très con de ma part. Eh hey, je vais te confisquer ton briquet, Tarjoff. Mais tu vas rien. Qu'est-ce qu'il est encore en train de foutre? Il essaye de mettre le feu. Et il va bientôt y arriver, je pense. Calme-toi, Tarjoff. Ah, tu m'as pas eu. Eh hey. Mais sérieusement. Ça chauffe, hein. Ça chauffe. Bah logique, tu fais. Ça brûle. Un peu trop à mon goût. Bon, je vais aller boire un peu d'eau et puis on va y aller dans ce Never. Sérieusement? Mais il y a beaucoup trop de feu. Bah alors Tarjoff, on va te confisquer ton briquet. Je sens que ce portail... Ce portail a des forces magiques. Oh mon dieu, voilà ce qui s'est passé. Ce portail a... Petit défaut de conception, ou bien alors c'est juste parce que c'est la magie de l'enfer. Bah, en tout la cas... magie de l'enfer. Magie satanique. Merde, m'appelle. C'est bien de terraformer pendant qu'on essaye de survivre. Ouais, effectivement. En même temps, ça fait partie de la survie, même si pour l'instant j'ai des carottes, des patates et du pain. Faut bien produire un peu plus. Et j'ai plus de briquet, il s'est cassé. Ah yeah. Remettez un CD pour fêter ça. Donc. Bon bah, allons-y. On sait pas trop d'où ils viennent, c'est un peu flippant. C'est vrai, on est censé trouver Satan, c'est ça. Allez, on va trouver Satan. Wouh. On va trouver le PDG de le PDG d'Apple. Hey. J'ai mis le vomi. Quoi? Bah, dis donc. Comment ça parle mal sur Apple? Ah bah écoute, moi... Fais gaffe ce portail, hein, parce que si tu le casses, on est un petit peu mal barré. Ouais. Ok, bon, je vais faire de l'enfer qui ne semble pas vouloir partir. Et on met un bloc de cobblestone. On suit la cobble. Vous êtes où? Ah, vous êtes déjà de l'autre côté? On est déjà de l'autre côté. C'est pas cool. J'ai pas tardé à arriver. Qu'est-ce que tu fais? Allez, suivons un cobblestone, on finira par trouver Satan. Je me suis un peu brûlé en fait. Bon, ouais. Si vous avez besoin de nourriture, j'ai 10 pains, voilà. Bah, moi je vais te mettre des pains. Bah, moi je vais mettre des pains à Tarjoff parce que il a l'air beaucoup moins sympathique depuis qu'il s'est parlé. Carrément. Parce que depuis qu'il s'est parlé, il nous met le feu. Ouais. Mais non, mais c'était pour plaisanter. J'arrête maintenant. Pourquoi c'est à toi que tu donnes de XP? Bah non, parce j'ai pas que... le droit à mon XP. Bah non. Il y a ceux qui sont dignes et il y a ceux qui sont pas. Voilà, hein, voilà. C'est nul. J'ai remarqué que cette force magique qui nous entourait quand on cassait des minerais, elle nous permettait de donner des effets particuliers à nos armes. Ah, je suis tombé dans un trou. Bah, c'est tant mieux pour toi. Eh ben oui. Tiens, bah j'ai du step aussi. Baby. Alors la cobble est même. La cobble quelque part. Ah la cobble. Et une. Toujours suivre la cobble. Règle numéro 1 de la survie dans le Nether. Les gens ont cassé un peu. Surtout. J'aurais besoin de cobble moi. T'inquiète pas, j'en ai un peu sur moi. Oh bah je peux la récupérer sur chemin. Non, la récupère pas sur chemin, qu'est-ce que tu fous? Oh non, non mais... Ah, c'est pas possible. Ah non, mais là, c'est à goutte de trop, quoi. Attends, Joff, on va te couper les cordes vocales, je sais pas. Faut trouver une solution à cette catastrophe ambulante. Oh là là. Ah oh là là. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais que c'est chaud le truc orange, hein. Hey. C'est de la lave. Il y a des forces magiques qui nous entourent dans ce lieu. Bon, vous êtes toujours en train, je vous vois pas. Continue de suivre la cobble sans l'enlever, tu nous verras. Sans l'enlever. Sans l'enlever, parce que sinon c'est jump. Jump. Voilà. Bon, ok, si vous êtes venu en faire... des champignons, ben cueillez des champignons. Tarjoff, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de mourir. Évidemment, chaud.
C'est de la roche en fusion. Ça ressemble à... Ah. Bon, allez. Elle est belle, l'eau, hein. Elle est belle. Ah bah, t'avais qu'à pas brûler les... Bordel, il a encore un briquet. Oh non, 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 non. Non, attends, j'en suis que... Il s'en fait trop bien, il va être... Il va être gentil. Il va être gentil. Bah j'ai pas d'eau pour toi, enfin j'en ai mais pour moi. Alors, c'est mon eau après tout. Faut toujours ramener sa gourde quand on part en enfer. Eh oui les enfants. S'il te plaît Saint-Joff, tu vas nous tuer. Arrête, sérieusement là, ça devient pénible. Voilà. Un troll en bonne et due forme, comme on les aime. Ah non. Ah non, comment ça s'appelle ça, le spliff? Ah! Eh ben, on est en train de se faire un spliff dans des heures. Et je vais mourir. Et mon dieu, je vais vraiment mourir. Non, fais gaffe. Non, ne quitte pas. Soyez prudent. Hein. J'ai bu ma dernière. Oui! Non! Oh mon dieu! Où est Mr. Phalanx? Je suis allé prendre un petit peu mon temps parce que là, franchement, j'étais un petit peu beaucoup brûlé de partout. Et non, il y a encore des gens sur le terrain. On devrait installer une infirmerie dans le Nether, c'est pas possible. Et moi, j'ai faim en plus, il m'a qu'un pain. C'est moi qui la bouffe. Je veux de l'eau. Je n'ai plus d'eau. Et moi j'en ai plein. Il faut que t'en ramènes à Tinjov, je pense que là il doit plus voir grand chose hein, avec tout ce qui s'est pris. Bah écoute. Ouais c'est... mais j'ai rien pour toi Tinjov. Mr. Phalanx vient vite, il devient complètement taré. Je suis à la maison et trois squelettes ninja avec des airs qui sont en train de m'appliquer. Là Tinjov est un problème là. Eh bah oui bah problème. Oui. Oh mon dieu Tinjov. Suicidé. Qu'est-ce qu'il a eu? Ça se suicide. Qu'est-ce qu'il... Oh. Il a quel pouvoir cheaté, ta job? Merci de m'avoir tué. Par contre, j'ai plus. What? Ça fait dans la merde. What? Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien à ce qu'il y a. What? Bon. What? Rejoignez-moi, hein, je suis toujours de l'autre côté de la cobble. Hein. Bon bah ouais, allez. Go Power Ranger. Ranger de champ. Après ça, c'est un peu ça que j'ai chantonné quand j'étais en colo. Sur le dernier jour. Vous allez me ranger tout ça, Gog Power Ranger. Bref. Phalanx, t'avais laissé la porte ouverte. Quoi? T'avais laissé la porte ouverte, Phalanx. Bien sûr, je fais toujours la porte ouverte. Ça m'amuse de rentrer de tuer des monstres quand je rentre chez moi. C'est marrant la cobble. J'ai l'impression qu'il y a de la cobble qui a été enlevée. Ah non, c'est bon. Non, j'ai rien enlevé. Ah, et pourtant, on aurait cru. C'est juste un moment où elle était pas très visible. Je ramasse un petit peu de sable avec des visages qui hurlent, oh mon dieu! Bah attends, écoute, t'avais qu'à pas aller en enfer. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu de trucs méchants depuis qu'on est arrivé en enfer. Bon, à part les cochons pas super frais. Ils sont pas si méchants. On les avait déjà vus, ceux-là. Personnellement, j'ai déjà frappé un de ces mecs en arrivant. Ils sont dangereux. Bon, non. Okay, quand vous les frappez pas, ils sont gentils. Oui, je sais. C'est ce qu'ils m'ont dit à peu près dans leur langue. C'est quoi leur langue? Ouais, toi, tu comprends toutes les langues. Voilà, c'est assez immonde comme langue. Tu m'étonnes. J'ai ramassé un petit peu de cette pierre de lumière qu'on voit sur le toit de... Mais faut pas croire, hein, c'est sophistiqué. Tu es de l'autre côté de la cobble. Je suis sur tes traces, là j'arrive, je mine un peu de quartz en chemin. Et j'absorbe la puissance du quartz.
C'est génial. Alors il y aura peut-être un creeper machin truc qui vous attendra à la sortie de la maison. Hop. Tu peux nous donner d'ailleurs des informations un peu plus précises sur ces creeper plongeurs maintenant que tu peux nous parler. Ah bah voilà. J'étais tranquille sur mon yacht de travail, le jour et j'ai vu des creepers. Donc, et par contre, c'était pas un conducteur PNG, ni un conducteur PNG. Bon. Toujours pas de diable en vue, toujours pas de diablotin, toujours pas de créatures atroces qui font greux, ben, à part ceux qui se... à part les cochons. Si on... C'est des créatures qui font greux, mais de là à ce qu'elles soient atroces... En fait, c'est juste un endroit paumé et rouge, avec beaucoup de lave. Si vous voulez du fer, j'ai emmené 55 coups. C'est un peu lourd, mais voilà. Mais juste une chose, j'aurais besoin de nourriture, je crève de faim. Tu as faim ? Le faim ! Je vais te mettre un pain. Bon. Non, mais ça suffit. Pas en mettre un pain, bah non, je peux pas. Sinon, tu vas m'en vouloir. Bah ouais. Bon, je vais en fait pour vous rejoindre. Vous avez arrêté la campagne. Oh voilà, c'est génial ce coin. Bon, va falloir rejoindre l'autre côté, mais je vais jamais avoir assez de blocs pour. Non. Je suis paumé. Vous avez arrêté la campagne quand même. Non, on a pas. Bah, suis la campagne et tu trouveras le chemin, mon enfant. Voilà. Bah, mais il y en a plus le problème. Ah, elle est là, mais tu ne la vois plus. Il y a un moment où on la voit moins. Peut-être que t'es parti du mauvais côté, reviens au portail, je sais pas. Non, c'est bon. Je viens de traverser votre pont au-dessus de la lave. T'es où? On en a fait plusieurs des ponts au-dessus de la lave. C'est LB, elle est perdue. Non, je vais juste te rejoindre, Tarjoff. Ah. Ok, bon, bah moi, je vous y attends. Tiens, girafe, j'aimerais bien qu'on trouve l'enfer au terme de cette... On l'a trouvé, l'enfer, hein. Ouais, je sais, mais... le véritable enfer avec les diables et les machins, et puis notre objectif final, quoi. Je te trouverai, Tiens, girafe. Continue le chemin de cobalt, quand même. On gagnera du temps, comme ça. Notre recherche. Ouais, je suis en train. Tacha de... Ouf. C'est là. Je suis en train de récupérer un peu de cette pierre, j'ai l'impression qu'elle ne s'arrête jamais brûlée. Ah, aïe. Ouch. Je suis vraiment très faible là. Je suis très très faible. Ah ben non, j'ai plus d'eau pour toi. Vilain. Viens là. J'arrive. Pourquoi tu me hurles dessus? Je crois que c'est le seul moyen de faire apparaître de l'eau dans ce monde. Avec un chaudron. Ah, d'accord, elle a besoin de temps de Google, par contre, là, on voit très bien. Je n'entends plus rien. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Eh oh! C'est un peu buggé. Hey. Un peu beaucoup. Mais vous allez faire un mi-tour ou quoi? C'est vraiment très très buggé. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Oula! Je peux plus sprinter. Oh dieu, Mr. Fanx ne nous entend plus, qu'est-ce qui se passe? On a eu un bug dans l'outil de navigation. Bon, moi je continue à avancer. There is a gros problème. Et allez. Je suis la cobble. Tu es la cobble? Ça marche pas trop. Je quitte la convertante, c'est pas tant que c'est bugué. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a l'outil de navigation? Il a un gros problème. Oh mon dieu, c'est quoi cette bestiole? Oh, balance une boule de feu. Je sais que c'est normal, j'en ai sur le retour. Balance une boule de feu, vas-y, balance une boule de feu là.
Qu'est-ce que c'est que cette truc tentaculaire? C'est magnifique, c'est gracieux. C'est... Mais qu'est-ce que c'est? C'est dangereux. Il a l'air d'être triste. C'est pas triste du tout, c'est dangereux. Je le tue. C'est quoi cette chose? Je vais culpabiliser. Moi je me cache. J'ai trouvé un très beau trou. Mais il crie en plus. Mais il crie le pauvre. Je vais l'avoir, Il bouge beaucoup le. Voilà. Plus le rien. Pauvre, il mérite pas ça. Enfin bah, si, je pense. Selon sa joie, il est dangereux, donc on va pas prendre de risques. Il est où, Fanak? Je suis derrière vous. Fanak. Touche pas au briquet, on sait jamais. Touche pas au briquet. Non, jamais. Non mais il se jette dedans. Voilà. Toi, tu as pris par surprise, je veux dire. I will kill you with my pickaxe. Hop là. C'est un peu dangereux ce passage. Faire gaffe. Oh mon dieu. Oh. Il y en a un autre. Je m'en occupe. Il est sur moi. Je vais essayer de l'avoir. Aïe, du feu. C'est trop loin pour moi, je peux pas le voir. Ah, les voilà. Mon dieu, je vais gâcher toutes mes flèches sur cet animal. Faites gaffe, y'en a deux. Y'en a la petite bestiole. Y'en a la grosse bestiole plutôt. Bon, servez Fanak. Passez-moi vos flèches. Vous avez pas tiré. Approche-toi, bébête. Merde. Aïe, loupé. Oh, il est là. Je donne toutes mes flèches. Je crois que tu devrais rentrer. Attendez. J'ai encore deux jeux. En parlant d'eau. Moi, j'ai plus rien. Alors, mon arc. Ils sont où, ces bestiaux? Ah, bah, je crois qu'ils sont partis derrière. Bon. Ah, j'en ai un. Ah, oh, mon dieu. Ah. Et j'ai eu. Oh. Ah. Oh non. Ah, je souffre. J'ai pas d'eau sur moi. Putain, Geoff. On va mourir. Je vois plus rien. Mon j'ai dieu. J'ai plus du tout d'eau. Vous prévenez, Gagnard. Rien. Pas parce que peut-être que tu vas même pas mourir. Ah bah, tu veux. Et je me sens faible. On va rester ta ligasse. Parce que casse tes boules de feu. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais être affaire comme ça. I guess. Ouais. Ça me fait penser à Ghost, moi. Ouais, Ghost, yes, Ghost. Je reviens. Ça fait fantôme. Les lames des fantômes, Ghost. Ouais, si on veut. Je ne vois plus rien, ouais. Mon dieu. Allez, j'ai pas d'eau sur moi. Oula, il y en a un là-haut. Je devrais faire une pause. T'es sûr de vouloir monter là-haut? Parce qu'il y a des passages là-bas. Ah, je suis déjà en haut. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé quelque chose? Il a trouvé, je pense. Moi, j'ai rien trouvé, mais je suis en hauteur. Je vois bien tout. Je vois rien. Regarde au-dessus de ta tête, Fanak. Fanak, regarde au-dessus de ta tête. Ouais. Là. Il n'y a pas un là-bas? Au-dessus. Oh merde. J'ai fait un peu de côté. Aïe. Ah mais c'est pas possible! Ah, regarde au-dessus maintenant! C'est une malédiction! Je vois plus rien! Moi non plus! Bon, si on rentrait, faire une petite pause. Ouais, allons-y. Bon allez les viewers, on vous rejoint quand on est à nouveau chez nous. Allez, on y retourne. Bon, après faudra peut-être faire gaffe à pas faire non plus des kilomètres de vidéos dans le Nether pas super intéressantes. Évidemment, ouais. Bon, on se retrouve de l'autre côté du chemin de cobble, les amis. On a finalement rien trouvé, mais bon, je pense que forcément... Je suis sûr qu'il y a quelque chose, quand même. Donc, on est obligé de vous quitter là, parce que mon caméscope n'a quasiment plus de batterie. Donc, sur ça, je vous remercie du visionnage, et je m'excuse pour le manque de contenu, mais bon, vous avez quand même vu quelque chose de bien. T'as un Geoff à retrouver la voie. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB. Et c'était Mr. Fanak.